le déploiement des troupes russes au Mali sème le chaos dans la sous-région, notamment dans le camp des pays occidentaux. Selon les dernières informations à notre disposition, les groupes terroristes entraînés par les armées occidentales dans le nord du Mali prennent la fuite après l'annonce du déploiement des troupes russes. L'arrivée des soldats russes sur le sol malien a définitivement scellé le sort du terrorisme d'État de la France au Sahel en particulier et en Afrique en général. L'armée malienne a mis la main sur plusieurs groupes terroristes. D'autres ont pris la fuite en direction de la Libye, du Niger et du Burkina Faso. À votre avis, pourquoi les groupes terroristes fuient-ils en direction des bases militaires françaises dans la sous-région? Vous comprenez aisément la raison de la colère du clan occidental. La diplomatie française peut-elle donner des leçons de morale aux autorités de transition maliennes? Quand on sait le chaos engendré au lendemain des indépendances de façade des pays africains, combien de présidents africains ont-ils été assassinés froidement par la France raciste et impérialiste depuis les années 60? Il est temps que les pays africains demandent courageusement le retrait, sinon le départ des troupes militaires néocoloniaux sur le continent. La diabolisation de la Russie par les médias mensonges de la France-Afrique témoigne de la peur qui gagne l'oligarchie occidentale, qui n'a cessé de piller l'Afrique depuis des siècles, et ce, avec la complicité des dirigeants corrompus francs-maçons africains. Nous les appelons les endocolons. La coopération militaire entre le Mali et la Russie s'écrira sans doute, ouvre une nouvelle page des relations diplomatiques internationales, comme nous l'avons vu en Centrafrique. À votre avis, la France doit-elle s'inquiéter des accords militaires entre Bamako et Moscou? Le Mali n'est-il pas un État indépendant et souverain? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour plus d'informations sur l'actualité africaine et internationale, nous vous invitons à visiter notre site internet jumainformtv.com. Pour un meilleur référencement sur cette plateforme, nous vous invitons à vous abonner.